Trouve trois raisons pour lesquelles ton partenaire accepterait que tu le trompes. T'es pas un crasseur à ce point-là ? Oh, la tête de ma mère ! Oh, mon Dieu ! T'es quel bail, ça ? Toi, tu les laisses faire ça ? Yo les gars, juste pour vous dire que cette vidéo, elle est sponsorisée par Jus du cul. Les questions, elles sont archi stylées. Par contre, il y a un gros gage à la fin qui fait archi mal aussi. Et merci à Jus du cul, n'hésitez pas à acheter le jeu, c'est vraiment une dinguerie. Si vous cherchez à faire une soirée entre potes, c'est le feu. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez les Ben. On a l'occasion d'accueillir Loni, mon gars sûr. Bang, 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 bang. Allez checker sa chaîne, il fait des vidéos de ouf. Là, c'est quoi d'ailleurs ta dernière vidéo, gros? Battle Freestyle, wow. 4. On accueille aussi aujourd'hui Eva Ducci. Hey. Je peux jeter mon chewing-gum parce qu'il va me gêner. Ma chérie, tu le poseras après, je t'explique. Les amis, aujourd'hui, nous avons rendez-vous. Pourquoi tu me caresses les cheveux? Mais... je suis pas le chien, moi. Mais parce que je t'ai même pas présenté. Ah non, parce qu'on se connaît, c'est bon, de toute façon. Faire une présentation de malade, t'as vu? Tu te rattrapes bien, bébé, vas-y. Fais. Vous avez vu la solidarité masculine? Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous explique le thème de la vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons jouer au judoku. Pensez que ma vie, jus du cul. Bah si, c'est judoku. Bon, bah, les amis, jus du cul. Donc, je vous explique. La honte. Les amis, je vous ai convoqué pour cette vidéo car nous allons jouer au jus du cul ici présent. Vous vous pensez intelligent? On a les bases, quoi, je pense. Je sais pas, j'ai peur de ce qu'il y a dedans. Non, mais moi, s'il y a du cul, je joue. Oh mon Dieu. Je joue avec quel cul? Le tien, ma vie, t'es ouf ou quoi? Pour gagner cette compétition, c'est très simple. À l'intérieur, il y a des questions, on répond dans les 8 secondes. À la fin, si on a gagné, on garde la carte et on a un point. Si malheureusement, nous n'avons pas répondu dans les 8 secondes ou pas trouvé les réponses, eh ben, tu repiocheras une carte, mais pour ton adversaire à côté. Oh, c'est lourd de ouf. T'as vu, moi, j'aime bien les défis et tout, tu connais. Moi, je propose que le perdant du jeu, bah, il prenne un gage. Mais un vrai gage. D'ailleurs, ouais, j'avoue, si vous avez des idées pour les gages, n'hésitez pas à les mettre. Pour ensuite me le prendre moi. Pourquoi t'as insulté le plus teubé? Non, c'est pas bizarre, on va me mettre une question de ouf. Après, je vais avoir la rage de malade, je sais pas, bizarre. Hein. Je décline toute responsabilité. Là, on fait le jeu pour la première carte. Okay. Après, le gage, c'est à la fin du jeu. Par contre, j'en profite, vous êtes archi nombreux à nous suivre, à regarder nos vidéos. Ça nous fait grave, grave, grave plaisir. Et ce qu'on kifferait encore plus, c'est que vous puissiez vous abonner. Donc, on va le faire ensemble, on va prendre 3 secondes pour s'abonner. C'est parti, 1, 2, 3. Yes, là, t'es abonné. Mets la petite cloche, comme ça, tu seras au courant de toute l'info, actu, vidéo, vlog, tout ça. Et puis, on a aussi la chaîne de Loni. Loni, c'est ? Loni. Archi simple, Lonizer. Il y a sa chaîne YouTube qui est juste ici, là. Juste ici, n'hésite pas à faire un tour. Et tu vas kiffer aussi ses vidéos. Eva, bah bientôt, non? Alors moi, j'ai une chaîne YouTube, mais il n'y a rien dessus, voilà. Donc bon, pas mal. Au moins, allez vous abonner. Et la page Insta de Eva Ducci, Eva Lonizer. Sur tous les réseaux. Voilà. On est partout, t'as capté, oh. Ok, les gars, donc on va commencer le jeu. Mais avant tout, on a dit qu'on devait faire un petit test de culture G pour savoir qui allait commencer. Donc oui. Le plus idiot va commencer à piocher la première carte. Et je vais poser une question comme ça, en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais commencer par Loni, je vais te poser une question. Loni, combien font 5 x 5? 25. Mais enfin. Mais ouais, mais je voulais y aller facile. J'espère que moi, ça sera pas un truc de ouf, hein. Bah, c'est Loni qui a dit. Mais moi, pourquoi moi? Dans le sens de l'aiguille d'une montre. Tu peux faire à qui tu veux, en vrai. Moi, j'ai dit, je vais faire comme ça. Moi, je pense que t'as de la culture. Qui était à la tête de l'URSS pendant la guerre froide? Tu poses à qui? À toi. Ah, c'est Staline. Bon, bien vu. Ok, d'accord, là c'est à moi de reposer. C'est à qui? Que signifie URSS si on continue dans le temps? Attends, mais Mélanie, mais là, laisse-moi tranquille. Moi, je sais ce que c'est. On t'interroge deux fois. Eva. Union de réunion soviétique. Union, je ne sais pas ce que c'est, R, soviétique. Du coup, elle est à demi, bête. C'est la moitié, ça va. T'as pas la réponse non plus? Ah, moi? J'y vais, je vais chercher de l'eau. Attends, t'as pas la réponse? Eh, c'est pas dans les règles, ça. Mais c'est une blague. Ils l'ont dit. Union des républiques socialistes et soviétiques. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça? Bah, tu sais quoi, je vais rechercher sur internet. La caméra, elle allumée, je veux pas dire n'importe quoi, c'est mieux. L'Union des républiques socialistes soviétiques. J'ai dit ça. Oh, oui, c'est ça, il l'a dit. Mais j'ai pas perdu. Eva, tu commences. D'accord, mais... Mais attends, j'ai... Eva, c'est très simple, tu commences, tu pioches une carte, tu me poses la question, j'ai 8 secondes pour répondre. Okay. Et après ensuite, si je gagne, je garde la carte. Si je perds, je repose une question, mais à toi. Celui qui pioche, il pose la question au voisin de sa gauche. Toujours à gauche. Okay. C'est ça le jeu. À la fin, dès que vous avez fini de lire la question, je mets le chrono. Okay. Et 8 secondes. 8 secondes. Et c'est moi le juge, parce que c'est moi qui ai la carte, donc c'est moi qui définis. Je prends la carte. Imagine 3 métiers que tu ne voudrais pas que ta fille fasse. Top prostituée...
make-up et pompière. Wesh, comment ça, make-up? Bah, make-up, maquilleuse. Mais wesh, Yolène, respecte-la. Je veux pas que ma fille elle soit maquilleuse. C'est bien, je kiffe me faire maquiller et tout, mais je ne veux pas que ma fille soit maquilleuse. Je veux que ma fille soit médecin. Et si ta fille, elle est maquilleuse de DiCaprio, de défilé? Bah oui, mais quoi qu'il arrive, je suis désolée, aujourd'hui, il n'y a aucun parent qui va accepter au départ que sa fille soit maquilleuse. Au départ, on aspire à un truc beaucoup mieux, beaucoup plus extravagant, beaucoup plus intelligent. Bah non, moi, je voulais être maçon quand j'étais petite. C'était mon rêve, donc chacun ses rêves. Ça tombe bien, j'ai un trou dans le mur là-bas. Mais elle a répondu. Je suis resté bloqué. Du coup, pompière, tu veux pas, hein? Pompière. Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, wesh. Ah, mais moi, j'avais même pas capté, moi. Mais c'est pas grave, c'est pareil. En tout cas, elle a répondu en 5 secondes, hein. Un point pour moi. Nomme 3 musées célèbres. Louvre, musée de Pâques. Stop. Et musée Groland. Stop, ça fait 9, ouais. Oh, ouais. Je sais pas, le musée océanographique de Monaco. Ouais, vas-y, mais donne 3. Louvre, Grévin et New York. Ça existe pas. Parce que j'aurais pu dire n'importe quel musée. Le musée d'histoire naturelle. Mais la vie de ma mère, j'aurais dû dire n'importe. Super. Ouais, t'as une question malade. En 8 secondes, le temps que tu réfléchisses, tu perds la tête. En tout cas, ta femme t'a devancé, hein. Comment ça va, Portelli? Je vais garder mon titre. Bah du coup, j'ai une carte chelou, il y a marqué shotgun. Oh, repioche 3 cartes et enchaîne ton voisin de gauche avec 3 questions à la suite. Attends, t'es pas moi? S'il répond correctement à chacune des 3 cartes, il gagne 3 points. S'il bloque sur une seule carte, strictement rien. Donc ça veut dire que soit t'as le choix, tu fais les 3, tu prends 3 points. Tu bloques sur une carte sur les 3, tu perds tout. Ça veut dire que même s'il avait gagné 2 points, il perd tout. Ouais, tu perds tout. Putain, le cauchemar. Mais je suis obligé de prendre. Bah, je te les pioche. Ah bah oui. Et je suis au bout de ma life. Décris de 3 façons l'odeur des personnes âgées. Ça sent le poisson, le thon, le cheval. Trouve 3 façons d'envoyer balader les témoins de Jéhovah. En me mettant nu, en leur claquant la porte à la gueule, en leur criant dessus. Oh, il est chaud. Cite 3 choses que tu aimes malaxer. Malaxer? Mes cheveux, oui. les joues de ma meuf, mes couilles. Ah, ça y est. Franchement, par contre, le poisson, je sais pas, il m'aurait dit le biscuit. Comment ça, les vues, ils sont de biscuit? Bah, un peu, t'as le thé, le renfermé, mais pas le poisson, ça, quoi. Usagé. Bah, je sais pas, genre, je pensais à un animal direct, donc vas-y, je me suis dit, vas-y. T'as dit le cheval? T'es un gamin. Non, mais c'est le cheval quand même, le poisson. On va dire oui, parce que quand même, il a été rapide. Donc, on dit oui, on valide. Tu valides quand même. Merci le truc beaucoup. Des vieux qui sentent le poisson. Le bah, écoute, s'ils étaient poissonniers. Ton chien, il est vieux? Non. Comment tu sais qu'elle pue? Non, mais c'est juste qu'elle a son chaleur. Tout de suite, là. Est-ce que vous voulez voir les coulisses, les amis? Regardez ça tout de suite. Tu dis. Romain, t'es pas un crasseur à ce point-là? C'est une kikinette. Mais attends, mais ça sent quoi? Ça sent quoi? Ça sent quoi? Elle sent. Oh, la tête de ma mère! Oh, mon Dieu! Oh, Loni! Ça doit sortir la mort. Je préfère sauter du 11e étage. Cite 3 choses à faire avec les pieds. Masser, attraper la télécommande, manger. Wesh, comment ça tu manges avec tes yeux, frère? Bien sûr, tout le monde attrape la télécommande avec ses pieds. Et moi, j'ai pensé un truc, ça comme direct, gros. En fait, avec ton gros doigt de pied et le petit, eh ben, tu fais ça comme des ciseaux et tu l'amènes. Vas-y, je te ramène un truc à manger. Tu manges avec tes yeux, là? Attends, un ou deux pieds. Elle a attrapé la carte avec son billet. Regarde comment il est plié, wesh. Non, mais attends. C'est pas juste le fait de l'attraper. Hein. C'est que tu l'attrapes et tu le grailles, wesh. Ah, avec le yep. Bah, wesh, elle, au moins, elle le fait, c'est bon? Ah ouais. Mais tu fais quoi, là, avec tes yep? Eh, c'est le graille pas, je valide pas, gros. En fait, j'arrive. Mais c'est abusé. Toi, si t'as plus de bras, tu t'en sors, hein, tranquille. C'est gentil. Tu naises? Mon amour, je te masse avec mes pieds, c'est quoi ton problème en fait? Ouais, ça, t'es pas obligé de le dire devant tout le monde. Ouh, je me demande bien ce qu'elle fait avec sa souplesse. Bon, bah, du coup, j'ai un point. Donc, c'est à moi de poser à Mélanie, hein, qui est à ma gauche. Trouve 3 raisons pour lesquelles ton partenaire accepterait que tu le trompes. Parce qu'il est pas là, parce que je l'aime et parce que. Parce qu'il veut que je couche avec lui et il est un autre. Quoi? Non, t'as perdu, ouais, là. Hey, c'était du mumble. T'as perdu de ouf, là. Bah, trouve 3 raisons pour lesquelles ton partenaire accepterait que tu le trompes. Parce que tu m'aimes, et bah tu acceptes que je te trompe. Bah non. Comment? Moi, j'ai pas compris, je reviens juste sur un truc. Pourquoi t'as parlé de... Bah si c'est toi qui me demande. Déjà, comment dans ta tête on te demande juste ça, tu dis... Est-ce que tu considères qu'elle a le poids alors? Pas du tout. Ah merci. Sur le 3e truc, t'as trop bégayé, on a rien compris. Et toi, on va discuter de ça après. Oh, trop bien comme question. Moi, j'ai que des trucs compliqués. Cite 3 lieux inappropriés pour baiser. Bah, les toilettes, l'avion, le TGV. T'as répondu un peu trop facilement, toi. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé récemment, les 3 dernières fois. On a fait des trucs bizarres. Ouais, c'est vrai que c'est pas très approprié. C'est trop facile comme question, je sais pas. Bah ouais, t'aurais même pu dire sur un canapé. Ouais, mais tu m'aurais pas validé. Elle est lourde, cette question. Eh, hey, j'ai du cul, t'es au calme, hein. You ready, guy? Cite 3 choses à faire lors d'un coup d'un soir. Ken, s'embrasser, Netflix and chill.
Un soir, tu fais une musique de Jane. Ouais. Bah, il peut. La définition d'un soir, c'est quoi? Oui, bah, au début. Faire un coup d'un soir, genre, au début, tu peux faire, voilà. Tu peux faire ce que t'as à faire et ensuite, allez, viens, on se met en truc. Moi, je suis d'accord. Ah, la définition d'un coup d'un soir, c'est tu rentres, tu fais ce que t'as à faire et tu te casses. Bah, pas forcément, t'es obligé de tapater la meuf. Ça fait partie des préliminaires. Par contre, j'aurais pas juste pas mis Ken en premier, mais j'aurais mis Netflix and Child. On nous a pas donné d'ordre. À partir du moment où on nous donne trois trucs, moi, je mets. Mais la vérité, un coup d'un soir, ça commence comment? Ça commence, tu la rencontres en boîte. Là, écoute, tu la rencontres. Bah ouais. T'imagines dans la rue, viens, t'es mon coup d'un soir. Alors, je suis désolé, t'as un shotgun. Et du coup, je vais devoir te poser les questions à la suite, comme ce qu'il m'a fait. Cite trois choses que tu fais systématiquement avant de te coucher. Me laver les mains, me démaquiller, me mettre de la crème. Parfait. Cite trois raisons d'accepter un bon vieux avec son meilleur pote. Bah, se faire du bien, rigoler et faire des nouveautés. Tu vas pour rigoler, toi? Non, pas du tout, mais je savais pas quoi dire. Que tu veux que je dise? Donne trois raisons de voir un porno gay. C'est excitant, j'adore les mecs, et c'est beau, quoi. Mais tu sais qu'un porno gay, c'est pas forcément avec des mecs. Ah, mais je regarde tout le temps des pornos avec des filles, si c'est ça la question. Ah, bon. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez des réponses? Tu regardes des pornos gays ou pas? Je regarde des pornos gays avec deux mecs entre eux et avec des filles. Moi je trouve ça bien qu'une meuf elle regarde. Non mais des meufs qui regardent des meufs ça passe. Mais j'ai tout regardé, j'ai même regardé des. Ouais, je crois elle a regardé. Ouais, j'étais trop à l'aise toi. J'ai tout vu en fait, c'est tout, j'ai tout vu en fait. Ouah, j'ai 3 points! Ouais. En plus. Moi je vais piocher une carte pour Mel. Cite 4 façons de satisfaire une femme: un cuni, une fellation, baiser et la levrette. Pourquoi toujours dans le sexe, wesh? C'est parce que, t'es trop à côté de moi, c'est à cause du porno. Enfin, ça, t'es rentré dans mon esprit. Mais t'aurais pu dire des choses pour toi en me transmettant un message, genre un bouquet de fleurs le matin, une bague de mariage. Ah, mais je peux danser tes 10. À partir du moment où tu joues à un jeu qui c'est jus du cul. T'as peur un peu. En tout cas, félicitations. Ma carte. Cite 3 légumes qui peuvent avoir une autre utilisation que culinaire. Le concombre, la banane et la pêche. C'est bon, t'es dans le temps. Alors, pourquoi le concombre? On le met où? Bah, une autre utilisation que culinaire. Bah, tu peux faire les trucs sur les yeux. C'est pas vrai, il avait pas pensé à ça, je suis sûre. Tu peux faire les trucs sur les yeux. Bah, il a raison, à partir de là. Il a dit la banane, donc la banane, tu fais quoi avec? Tu peux le mélanger à de l'œuf et faire un shampoing. Non. Il a raison, je crois. La pêche. À part la manger, tu peux faire des crèmes à base de fruits. C'est un culinaire. À quoi? Culinaire. Bon, tiens. Non. Je la garde. Moi, je l'aurais pas validé. Moi, je valide pas. Bon, du coup, les gars, moi, je propose un truc. Parce que Romain Miskin, il a qu'un point. On peut faire un truc plus pimenté. Donc, en gros, on va faire un tour complet. Mort subite, c'est-à-dire le premier qui perd, ça y est, c'est lui qui mange. Malgré que nous deux, on soit premier avec nos cartes, vas-y. Genre, c'est qui tout doux, vas-y. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Ouais, parce que j'ai peur pour mon cul, moi, maintenant. La seule raison pour laquelle on a autant de points, c'est parce qu'on s'est mangé un shotgun. Bon, c'est fair play. Si 3 choses aussi gênantes que de lâcher une caisse pendant un 69. Wow, on l'a dit. Fini, temps écoulé. Mais c'est lui qui propose la mort subite et c'est lui qui perd. Vas-y, y a tellement de trucs gênants que mon cerveau il veut pas y penser. Comme t'as proposé la mort subite, le mec le pauvre il tombe sur un truc comme ça. Vas-y, on lui laisse une chance, non? Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on laisse une chance à Loni quand même? Let's go, dernière chance. Cite 3 façons de différencier un hipster d'un SDF. Bah du coup, par sa coupe de cheveux, par ses sapes, sa manière de parler. Bien. Du coup, là, il n'y a plus de chance. Complète la phrase suivante de 2 façons. Je passerai bien la journée avec Marine Le Pen si... Je passerai bien la journée avec Marine Le Pen si je serais payé 1 million d'euros. Je passerai bien la journée avec Marine Le Pen pour voir ce qu'elle fait. Cite 3 choses que tu ferais avec ton clone. Me regarder dans le miroir, me maquiller, me sucer les pieds, je sais pas. Ouais, 7 secondes, mais là, par contre, vas-y. À quel moment tu suces tes pieds quand t'as un clone, frère? Bah comme ça, c'est plus facile. Qu'est-ce que ça procure? Bah vas-y, suce-toi les pieds. Invente 3 façons de faire taire une féministe. Bah... de se boucher les oreilles, de se boucher le nez, de se boucher le cul. Vous me faites des questions comme ça, là. Bon, les amis, comme vous l'avez vu, c'est Romain qui a perdu. On se concerte. Qu'est-ce qui pourrait lui faire bien du mal, hein? Donc, j'ai une idée. On va... moi, je vais prendre mes vêtements. Je vais lui donner mes vêtements. Je vais le déguiser en femme. Tu prends la photo. Je vais aller me déshabiller. Tu vas me suivre. Tu as une autre tenue à mettre, là-bas. Mais tu joues à quoi, là? Allez, Romain. Allez. Je fasse quoi avec ça? Et je fais pas du 38. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ok, tu mets tes bottes et ma tenue. Wesh, c'est sérieux là? Vous voulez me faire comme ça là? C'est quel bail ça? Toi, tu les laisses faire ça? 12 seconds later. Je sais pas quoi, il reste tranquille. Ça se voit, t'es saucé en vrai. Je trouve. Mais y'a un délire un peu. Non, je rigole en fait, y'a pas de délire du tout. Y'a aucun délire, frère. Vas-y, wesh, j'ai des gamins. Je vous présente mon chef-d'œuvre. Il n'ose même pas venir. Oh, j'adore, mais pourquoi ça lui va bien comme ça? Ah mon dieu! La vie t'es mignonne, wesh.
Nous, on fait le goodbye et lui, il dit bonjour à la féminité. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous, on a kiffé jouer au jus du cul. On va pas se mentir, c'est un jeu déclassé à faire avec votre famille le soir ou vos amis. Pourquoi il se mord les dents, ouais? Le féminisme est rentré en lui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mélanie, rigole aussi. Parce que t'es belle, allez vas-y, pose. Comme sur la photo Instagram, mon amour. La jambe. Allez, la jambe comme ça. Regarde ce qu'il fait. Allez, regarde les souris. Vous êtes des gamins.